Docteur Tienayon Solange Ojo épouse Alonso, en semeur de joie dans les cœurs au niveau des élèves candidats des églises évangéliques de la commune de Semekodji. À son habitude chaque année, la présidente de l'ONG Ma Contribution Citoyenne MCC en abrégé a encore édité l'espoir. Célébrer l'excellence au sein du peuple de Dieu. Et cette année, c'est la paroisse d'Ekpenyivedji de la mission évangélique des affranchis, MEA, qui a abrité l'événement. L'Église de Dieu est restée longtemps sans pouvoir avoir des cadres valables en son sein. Parfois, on recherche des gens pour pouvoir promouvoir, mais on n'en trouve pas. Mais je crois que depuis cet événement, c'est déjà chose faite. On ne cherche plus pour ne pas en avoir, on en a à foison. Nous avons cette obligation de conduire la jeune génération à aller à l'école et de façon excellente. C'est pour ça que les sangles que vous avez portées portent l'insigne de l'intellect au service de l'Évangile. L'intellect au service de l'Évangile. Solange Ojo épouse Alonso en trouve chaque année. Primé, les meilleurs élèves candidats qui ont brillamment réussi aux examens de fin d'année tels que le certificat d'études primaires, le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat. Nous sommes dans un environnement qui n'est pas trop favorable à la scolarisation des filles. Et quand une fille étudie juste à aller en terminale et réussit à son baccalauréat, il faut la féliciter et l'encourager à continuer. Et féliciter les parents. Je voudrais dire un coucou spécial aux parents de ces filles ici présentes. Tienayon Solange Ojo épouse Alonso s'en charge et ce dimanche 18 septembre 2022, cette initiative qui a sa 16e édition s'est vue un peu plus élargie pour un but bien précis. Nous avons rassemblé les enfants d'un peu partout de la commune de Semekodji. Nous avons étendu un peu cela vers le littoral aussi, à Akpakpa en l'occurrence. Et nous avons eu aujourd'hui un tout petit peu moins de 150 enfants, vous les avez vus. Cet événement que nous avons commencé depuis 16 ans fait son bonhomme de chemin. Cette cérémonie vise à susciter la volonté des parents à inscrire leurs enfants à l'école et à donner cette motivation aussi aux élèves à pouvoir bien travailler à l'école et réussir à leurs différents examens. L'objectif est atteint. Mais au-delà de cela, ceux qui n'ont pas pu aller à l'école jusqu'au bout, nous les encourageons à aller apprendre un métier, à avoir une qualification. Je crois que tout ceci motive davantage et les apprenants, d'accord, et cela suscite beaucoup d'engouement au niveau de la communauté. Nul ne peut exceller sans un minimum d'instruction. C'est ce à quoi travaille l'ONG Ma Contribution Citoyenne depuis plusieurs années. Pour les admis au baccalauréat, une séance de tirage au sort a fait de plusieurs de ces nouveaux bacheliers propriétaires des téléphones portables de très bonne qualité suivis d'importants lots de fournitures scolaires au profit des autres admis au CEP et BEPC. Les bras chargés de nombreux prix a eu offert par Solange Ojo, très satisfait était-il rentré à la clôture de la cérémonie. Non, c'était bien, c'était ouf, j'ai aimé. C'est une inspiration divine qui a vraiment émerveillé le monde, qui a vraiment émerveillé toute personne, tout candidat et tous ceux qui ont pu passer un examen ici présent. Et ils ont vraiment été émerveillés par cette œuvre.
que l'Éternel a inspiré à notre responsable, à notre grande sœur, sœur Solange. Et c'était quelque chose de bien pour nous. C'est quelque chose qui peut emmener la jeunesse, qui peut donner un exemple aux gens autour de nous. C'est aussi une œuvre pour évangéliser beaucoup de personnes. Donc nous avons aimé, c'était très bien, c'était vraiment une inspiration qui nous a beaucoup émerveillés. Ce qu'on vient de faire, ça permet aux élèves qui viennent de bien étudier pour pouvoir eux aussi être à notre place un jour. La 16e édition de la cérémonie de célébration de l'excellence qu'organise chaque année, Dr Tienayon Solange Ojo épouse Arlonsou et l'ONG Ma Contribution Citoyenne a connu un succès éclatant comme toutes celles qui l'ont précédé. Les élèves bénéficiaient de ces différents prix se sont tournés d'eau, très engagés à maintenir la flamme de l'excellence allumée. Redoubler d'ardeur aux études et ne pas fléchir un seul instant est le souhait de la présidente de l'ONG Ma Contribution Citoyenne et de tout son staff à leur endroit. Les regards sont ainsi tournés vers l'année prochaine pour une nouvelle édition de cette joie en partage au sein des églises évangéliques de la commune de Semekodji. Et Dr Tienayon Solange Ojo épouse Arlonsou en est fière.